Marc, vous avez eu l'occasion de vous tester mardi au Trevally Vérésiné après le retour d'Australie. Comment sont les jambes? Ah, c'est moyen. C'est correct, mais je fais pas des étincelles, donc bon, on va voir. Je suis motivé en tout cas, mais ouais, c'est pas ma meilleure forme. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le Lombardie? Vous l'avez déjà fait 6 ou 7 fois, je crois. Oui, je sais pas non plus. Jamais eu des super jambes sur le Lombardie. J'aurais été un peu difficile pour moi, mais ouais, c'est une magnifique course pour finir la saison. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est difficile parce que la forme est un peu plus aléatoire en fin de saison avec la fatigue. Mais voilà, moi je suis très motivé, j'espère que les jambes seront bonnes parce que dans le Civic Lyo, il faut de bonnes jambes pour un résultat. Et ce nouveau parcours, il vous plaît plus ou moins? Je préfère l'arrivée à Bergame, mais on fait ce qui nous est proposé et de toute façon, voilà, ça va être suffisamment dur pour que les meilleurs puissent s'exprimer. Mais pour gagner aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être le meilleur grimpeur ou il faut avoir le meilleur punch, la meilleure attaque dans le circuit final? Ouais, je pense qu'il faut être, c'est sûr, dans les 5-6 meilleurs, mais bon, après, dans le centre fermo, ça peut être plus tactique au dernier passage s'il y a un gros écrémage dans le Civic Lyo, donc ça reste ouvert si on est dans les 5-6 meilleurs. Merci Romain, bonne chance.